Et je cède la parole pour débuter à M. le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Monsieur le député. Merci, M. le Président. J'ai le privilège de présenter cette déclaration afin de souligner la journée et la semaine nationale de la visibilité de l'action communautaire autonome qui se déroule sur le thème « L'action communautaire autonome, c'est ici et partout ». Quotidiennement, des femmes et des hommes engagés au sein des organismes communautaires font la différence et améliorent la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens. Il est primordial de reconnaître l'importance du travail des 4000 regroupements et organismes d'action communautaire autonomes présents partout au Québec. Le milieu communautaire est partie de l'identité et des valeurs de notre société, particulièrement sur le plan de la solidarité. Avec l'appui du gouvernement, il vient en aide à des milliers de personnes au Québec. Dans le cadre de la journée et de la Semaine nationale de la visibilité de l'action communautaire autonome, j'invite la population et mes collègues parlementaires à maintenir leur soutien aux organismes communautaires. Merci, M. le Président. Merci. Merci, M. le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.